Et non, non, ce n'est pas voyage au centre de la Terre, même si on pourrait le croire à première vue. C'est juste Marcus Phoenix et Dom qui se sont enfouis dans le repaire des locustes, grâce à ces espèces de petites capsules là que vous avez vues, c'est assez étrange. Hein. Ils sont carrément catapultés dans le sol et ils arrivent, heureusement pour eux, dans un endroit, comment dire, où il y a de l'air, parce qu'évidemment, c'est sûr que s'ils arrivent dans un endroit bloqué, en fait, c'est assez étrange. Hein, parce qu'au niveau de l'histoire, au niveau scénaristique, c'est vraiment, faut tout prendre au second degré, parce que c'est du grand n'importe nawak à 2000% ce Gears of War 2. Tout le temps, tout le temps. Mais ça m'a pas gêné, ça m'a vraiment pas gêné. Moi, encore une fois, je crois que ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo de présentation que je vous avais faite du premier Gears. J'adore ce, même si le scénario c'est le minimum syndical, j'adore les dialogues qui sont entre ces mecs complètement bodybuildés à la testostérone de ouf. Et, voilà, toutes les 30 secondes, ce qu'on entend c'est on va tout péter. Bien reçu, souhaitez-moi bonne chance. Tiens bon petit, on va bientôt arriver. Bon, il faut retrouver Carmine. Voilà, là il faut retrouver Carmine. Carmine c'est le nouveau. Que vous avez pu voir d'ailleurs dans la vidéo du direct live que je vous ai faite il y a quelques jours. Alors Gears of War 2, alors là, franchement c'est le mastodonte, là je l'ai fini bien sûr, c'est le monstre Gears of War 2. J'ai envie de dire mon avis, je vais vous le donner tout de suite, hein, pas la peine d'attendre. Mon avis c'est, si vous aimez pas ce jeu là, j'ai envie de dire arrêtez de jouer aux jeux vidéo, voilà. Franchement, ça veut dire que vous êtes blasé ou que vous n'aimez plus les jeux vidéo ou que vous êtes un nostalgique. Moi, je suis vraiment content parce que j'ai adoré ce jeu et je suis éclaté de toutes parts. Et pourtant, je me le suis fait en solo. Donc, comme le premier, la campagne solo, enfin la campagne classique, traditionnelle, on peut la faire en multi, quoi. On peut la faire à deux joueurs. Soit en écran splitté, l'écran scindé en deux. Alors ça m'hallucine un petit peu parce que d'abord, regardez-moi ce décor. Honnêtement, je crois que c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai pu voir de toute ma vie, ça. Alors, on dit souvent Crysis, c'est le plus beau, mais regardez-moi ce décor-là. C'est de la 3D que vous voyez là, c'est pas de la 2D, c'est vraiment, c'est le décor. Plus tard, on pourra vraiment aller tout à fait au fond, là, ce que vous voyez à l'écran. On dirait une carte postale, le truc, ok. Et ce genre de décor-là, ça va se répéter tout le long du jeu. Je suis désolé, moi, je trouve ça aussi beau que Crysis. La grosse différence, c'est que Crysis, il a quand même un environnement totalement ouvert où on peut aller où on veut, tandis que Gears c'est tout de même très dirigiste, très linéaire. Et la seconde grosse particularité, c'est que dans Crysis, on peut exploser la plupart des décors, alors que là, on peut pratiquement rien exploser. Par exemple, si je prends ici, je tire sur cette espèce de champignon, il se passe rien du tout, il y a juste des impacts, mais rien ne va se casser. C'est peut-être une petite déception. Alors, j'ai noté sur une feuille de papier à peu près tous les points faibles que l'on pourrait éventuellement citer. Et donc notamment j'ai noté cet environnement pas assez destructible à mon goût. Il y a peu de choses en réalité que l'on peut vraiment détruire. Et c'est dommage. Graphiquement, à mon avis, on ne peut pas faire mieux. Ou alors très difficilement. Donc je pense que la prochaine révolution dans ce genre de jeu d'action, ça devrait être un environnement totalement, peut-être pas totalement parce que ça serait un petit peu compliqué, mais un environnement bien destructible comme il faut en tout cas, parce que là c'est trop peu. On peut que détruire quelques bancs, quelques petits trucs par-ci par-là, mais globalement en fait rien ne se casse. Voilà. Alors que là on est en train de voir d'autres capsules, donc d'autres de nos compères, de nos compatriotes Gears qui viennent nous aider à détruire du locust. Jace, ici Delta, autant que tu sois là, bonne chance. Toi aussi Marcus. Terminé. Voilà, en fait c'est la seule façon qu'ils ont trouvé pour aller carrément en territoire locuste, quoi, par ces espèces de suppositoires géants. C'est assez funny. Alors au niveau de l'histoire, ça se passe, d'après ce que j'ai compris, 6 mois après les événements du premier. Encore une fois, c'est ultra minimaliste. En gros, c'est simple, les locustes, on n'a pas réussi à les tuer
via la bombe lumière, la fameuse bombe lumière du premier. Et donc en gros, ils sont toujours là. Et donc voilà, c'est reparti. C'est juste que 6 mois se sont écoulés, mais même s'il n'y avait que 2 heures qui s'étaient écoulées, ça aurait été exactement pareil. Là, il y a encore une capsule qui vient de s'éclater, là, ici. J'espère que le bonhomme, il est toujours en vie. Donc voilà, en gros, c'est ça. Il va juste falloir. C'est toujours la conquête de la Terre Sergent, humain on est versus attaqué! locuste. Les Voilà. locustes sont partout! Alors, au niveau des innovations, il y a très peu de Approche-toi, choses, hein, petit! autant vous le Non, dire. il faut se mailler On n'est cul! vraiment pas dépaysé, quoi. Si on vous l'avait vu dans ma précédente vidéo direct live du début du jeu, moi je me suis remis dans le bain de suite. Je crois qu'on peut dire ça, on peut le détruire parce que ça nous servira plus tard. Mais regardez-moi ça, franchement, mais qui peut trouver ce jeu moche, quoi? Sérieux, et tous les environnements sont comme ça. Et ce qui est encore plus fort, c'est que les environnements se renouvellent à chaque nouvel acte. Et même, je dirais même, 2 à 3 fois par acte. Des actes, il y en a 5 dans le jeu, ok? On met à peu près entre 1h30 et 2h à finir un acte. Ça donne une durée de vie entre 8h et 10h. Entre 8h et 12h, en fonction de notre progression dans le jeu, j'ai envie de dire. Un petit coup de la tronçonneuse. Alors attendez, une concentration quand même. Essayez de se les farcir vite fait. Oh putain, j'ai raté mon. Ah, ça, je comprends pas. J'ai raté mon rechargement alors que je n'appuyais qu'une seule fois sur la barre de recharge. Ah, vous voyez que là, il y avait un locuste qui rampait. Ça, c'est l'une des nouveautés. Enfin, putain, regardez, il rampe. Il est pas encore mort. Je vais le prendre. Vous allez voir. Si je meurs pas avant. Oh putain, le con! Vite! Viens par là! Mais quel abruti! Où est-ce qu'il est, Dom? Il est là-bas. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rampe vers lui. Ah non, c'est pas Dom, c'est Carmine. Voilà, il m'a aidé. Ça, faut que je vous en parle également. Bon, lui, il commence à m'énerver. Ça va chier. Putain d'enfoiré! Mais c'est pas possible! C'est pas possible. J'ai la malchance là, j'ai la malchance là. Là, j'ai de la malchance. Ok, c'était lui là-bas qui est en train de me hit. Attendez, là, j'ai la malchance en moi. Voilà, ça c'est beau. Un petit tronçonnage. Bon, est-ce que c'est fini là? Ouais, c'est fini. On a entendu un petit son. Je sais pas si vous l'avez entendu, ça fait des bruits de cymbales comme ça. Ça veut dire que l'affrontement est fini. Bref, qu'est-ce que je disais? Alors, je ne sais plus du tout, voilà, ça, j'ai perdu le fil. Oui, non, voilà, que la durée de vie entre 8h et 12h, c'est à peu près comme le premier. Et voilà, non, c'est surtout que les environnements se renouvellent, putain, tout le temps. C'est-à-dire, ce qu'on voit là, cette espèce de grotte souterraine, ne croyez pas qu'on va avoir ça durant tout le jeu, quoi. Franchement, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, mais on va avoir plein de trucs différents. Et c'est toujours extrêmement réussi. Au niveau de artistique, esthétiquement, c'est. C'est extrêmement beau. Mais vraiment, hein. Bien joué, le bleu. Contrôle, ici Delta. On a récupéré Carmine. Mais Echo 5 est au tapis. On va s'enfoncer dans les entrailles. Les cartes spéléo montrent un accès direct à environ 30 mètres devant vous. Mais, sergent, il y a un mur? Sur le cerveau de la drill. Je crois bien qu'elle est foutue. Jack, où est-ce que tu peux faire? Donc toujours comme ça, des petites séquences scénarisées, hein, comme vous venez de le voir. À peu près toutes les. En fait, c'est après chaque affrontement ou presque, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, comme ça, on a une petite cutscene. Jamais de temps de chargement. Toutes les cutscenes sont réalisées avec le moteur du jeu. Franchement, c'est encore ça. Une fois, ça force le respect. C'est vraiment excellent. Il n'y a jamais de temps de chargement. Franchement, le seul temps de chargement qu'on a dans un acte tout entier, c'est au début de l'acte. Après, il n'y a rien. Ou alors parfois un petit truc comme ça, mais franchement, c'est infime, quoi. Ça dure quelques secondes et honnêtement, on s'en fout complètement, quoi. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est que quand les ennemis, maintenant, ils meurent pas forcément directement, et lui, par exemple, regardez, il est à terre. Regardez, je vais pas le toucher. Si un de ses collègues va le toucher, sauf que là il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il va sûrement crever au bout de quelques secondes. Vous allez voir, on va le laisser tranquille. Sauf si lui le touche. Voilà, il l'a touché. Vous avez vu? Là, il y a un autre locuste qui l'a touché. Donc en fait, il a réanimé, si on peut dire. Et ça, c'est pareil pour nous. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, direct live. À un moment, j'étais mort. Et pourtant, je n'étais pas mort. C'est-à-dire que les morts ne sont pas forcément mortels maintenant. C'est-à-dire que quand on meurt, comment dire, on peut maintenant ramper sur le sol. Putain, je joue comme une véritable cruche là, attendez. J'essaie de me concentrer un petit peu, mais putain, j'ai du mal à parler. Putain, j'ai fait n'importe quoi! Mais quelle cruche! Mais c'est pas possible, mais quelle abruti! Oh là 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 là!
Voilà, donc là, il faut vite que je rampe vers Dom, par exemple. Et s'il veut bien, sauf que l'IA, c'est pas forcément ça. Allez, touche-moi! Ça y est, il m'a touché. Vous avez vu, il m'a réanimé, je ne suis pas mort. Dans Gears 1, ça n'existait pas. Si on se faisait trop toucher par des rafales de balles, au bout d'un moment, on se poussait. Et j'ai encore raté mon chargement. Ah non de Dieu, bravo là! Bien joué là, le Hooper! Si on se faisait trop hit, on se faisait forcément tuer au bout d'un moment. Ah putain, pas ces trucs là, pas ces trucs! Ça explose. Ces espèces de petites bébêtes là. Putain, ça commence à me gonfler. Comment ça me gonfler toutes ces conneries? Oh putain, non, pas ça! C'est horrible ces machines. Et putain, je joue comme une véritable bille! Non, c'est ça que je vais prendre. Planquez-vous! Putain! Je voulais faire une prestation correcte. Putain, je voulais tronçonner, mais non, ça marche pas. Putain, non, j'ai pas encore crevé! Ouh, j'ai eu de la chance, là. Regardez, il est pas encore mort, je crois. Si. Ah, putain, dommage. Bref, quand les locustes sont à moitié morts, quand ils sont à terre et qu'ils rampent comme nous, eh bien, on a plusieurs solutions. Maintenant, si on va vers eux, en appuyant sur A, on peut carrément les prendre comme bouclier humain. Voilà, on peut se servir des locustes comme bouclier humain. C'est-à-dire qu'on va les mettre devant nous et après, on pourra. Par contre, on pourra seulement se servir du flingue. Mais c'est quand même une bonne idée. Il y a plein de bonnes idées. Ou alors, on pourra carrément faire une espèce de fatalité en fonction de si on appuie sur le bouton X, Y ou B. On va lui éclater le crâne avec notre botte. Qu'est-ce qu'il faut faire là déjà? Ou on va le frapper à coup de poing. Donc là, je sais plutôt ce qu'il faut faire. Ah, peut-être appuyer sur un truc là. Ah, voilà. Pour vous dire, ce n'est pas une séquence que j'ai refait spécialement pour la vidéo. Hein. Moi maintenant, je suis toujours des trucs en freestyle. Donc évidemment, je l'ai déjà fait une fois il y a. Je crois que c'était hier ou avant-hier, donc c'était avant-hier cette séquence-là. Que là, on est dans l'acte 2. Mais après. Là, je sais plus du tout ce qui se passe après. Donc voilà, après, franchement, tous les mécanismes du jeu, ça reste identique à Gears 1. Donc je vais pas me répéter. Je veux dire, si vous voulez comprendre ce qu'est Gears of War, mais moi, je vous conseille de regarder ma vidéo du premier Gears, quoi. Parce que voilà, j'explique tout, le système de couverture. Voilà, c'est ce qui fait la force de ce jeu-là. Et Gears 2, ben c'est Gears 1 puissance 2. Et en fait, il n'y a rien de plus. Il y a quelques nouveautés, quelques petites. Par exemple, il y a des nouvelles armes. On a un nouveau flingue. L'arme principale des locustes a été changée. Je peux plus bouger là aussi. L'arme principale des locustes a été modifiée. Maintenant, c'est une espèce de pétoir à un coup un petit peu pitoyable. On a un lance-flamme maintenant qu'on peut utiliser, nous ou les locustes. Hein. Parce que pratiquement toutes les armes que l'on peut utiliser, les locustes le peuvent également. Hein. Donc le lance-flamme, pas mal, c'est peut-être la meilleure des nouvelles armes. Hein. C'est vraiment sympathique. On va essayer d'avancer à couvert là. Là, il y en a un qui est à moitié mort. Voilà, donc lance-flamme. Ah, il y a également les armes lourdes qui sont pas trop mal. Donc les armes lourdes, ce qu'il faudrait c'est un sniper, mais je n'ai pas de sniper, putain. J'ai seulement le shootgun comme arme secondaire. On peut toujours avoir 4 armes sur soi, 2 armes, 2 fusils, plus les grenades en haut, plus le flingue en bas, et on les choisit, comme d'habitude, via la croix directionnelle. Ça n'a pas du tout changé. J'ai essayé d'y aller en faisant gaffe. Toujours les caisses de munitions à ramasser par terre. Par là on peut pas y aller, c'est clair, je vais aller là-bas. Ouais, ça, regardez, c'est les nouvelles sortes de locustes, il y en a aussi, il y a quand même beaucoup de nouvelles sortes. Il y a des locustes avec une espèce de bouclier. Regardez eux là, une espèce de kamikaze qui explose. Dès qu'ils sont à notre portée, ils explosent. Et regardez, il y en a un autre là-bas, regardez-le. Si je l'explose pas avant, si on réussit pas à les toucher avant, ils explosent quand ils sont... à notre impact. Ils explosent à notre impact. Donc évidemment, vu comme ça a l'air moyen. Je veux dire, là vous vous dites, mais bon, c'est un jeu d'action assez banal, assez classique. Ah putain, non, il va m'exploser dessus. Non, c'est bon, il est parti de l'autre côté. C'est un jeu d'action assez classique. Mais oui, c'est vrai. Ah putain,
On laisse tomber, je l'ai tronçonné, c'est pas la peine, il est mort, ouais, il est mort. Ah, voilà les boomers. Ah aussi, ils ont changé, dans le premier, ils pouvaient seulement envoyer des grenades, alors que maintenant, parfois, ils ont carrément une gatling, une grosse sulfateuse, que l'on peut également prendre. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y en a un qui a la sulfateuse, et l'autre qui a le lance-grenade. Voilà, c'est fini. Alors, je devrais pouvoir le reprendre si j'y vais. Delta, ici contrôle. Vous me recevez toujours ? Voilà, ça c'est quoi ? Non, ça c'est... Ah non, il l'avait pas alors. Ah non, je suis trompé. Nos scopes détectent une violente activité Non, non, il n'avait aucun en fait qui avait la Gatling. Sinon je pourrais la porter, c'est une arme. Ah peut-être ça. Non, 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 ils avaient seulement, c'est-à-dire je vais le changer plutôt que de prendre le shotgun. Hop, là je vais changer avec le lance-grenade. C'est toujours un petit peu mieux, même si je m'en sers pas beaucoup. L'arme, l'arme dont je me sers le plus souvent, c'est le sniper hein, en arme secondaire. Et de quoi je vous parlais tout à l'heure? Oui, donc des nouveautés. Donc le lance-flamme qui est pas mal. On a également un nouveau type de grenade qui envoie une espèce de nuage empoisonné. Bon. Donc le bouclier, ça c'est pas mal aussi. Donc je vous l'ai dit, on a une nouvelle race de locustes. Ce sont des locustes énormes avec une espèce d'énorme masse d'armes qui font tourner et surtout qu'ils ont un énorme bouclier pour les protéger. Et une fois qu'on les tue, ils laissent le bouclier derrière eux et on peut le prendre. On peut se planquer avec. Donc ça aussi, c'est assez sympathique. Et donc des armes lourdes, Gatling à la... Attention ! À la Predator. À la Predator, enfin oui, à la Predator comme le gros mec là qui a une sulfateuse, qui a une Gatling à bout cet de bras. Plutôt instable. Ce qui normalement est impossible. Hein, c'est des trucs qu'on met sur les hélicos. Enfin, je crois pas que ce soit possible de les porter comme ça à bout de bras. Enfin, je crois pas que ça existe dans la vie réelle en fait. De pouvoir porter des Gatling comme ça. Ou dans Turok, tiens par exemple. Le premier Turok de la N64. Alors là, on ne voit rien du tout. On se fait éclairer par le robot Jack. Oh putain! Ça, c'est des ennemis qu'il y avait déjà dans le premier Gear. Je sais plus comment il s'appelle là. Des rebuts. Voilà, c'est ça, des rebuts. Et putain! Essayez de les tronçonner, tiens. Le prochain va être tronçonné. Voilà, là, je suis en train de le tronçonner, mais on n'y voit rien du tout. Attendez, j'ai peut-être pas pris le bon niveau là. On va essayer de se manier, tiens, on va avancer vite fait. Voilà, par là-bas. On va tronçonner ces lianes. Donc là, très honnêtement, c'est loin d'être le meilleur niveau. Hein. Il faut quand même que vous le sachiez. Hein. C'est très, 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 très loin. Mais il est quand même assez beau. Voilà, décor organique comme ça, j'adore. Mais franchement, tous les niveaux sont beaux. Ah, mais voilà, voilà une nouveauté. On dirait un gros serpent, ou un ver, ou une pierre. D'après nos infos, c'est un animal souterrain appelé ver de pierre. On ignore s'ils sont dangereux, mais on sait qu'ils se nourrissent de plantes. Et qui brillent ? Oui. Il semblerait qu'il s'agisse de leur principale source de nourriture. On nous a aussi signalé qu'ils étaient presque indestructibles. Apparemment, les balles ne leur font rien. Voilà, en fait, c'est un locuste inoffensif. C'est un locuste inoffensif qui va en fait nous servir pour plus tard pour se protéger. Parce que regardez, on peut... Non, là, il veut pas. Ah bah, attendez. Ah, voilà. On peut carrément se mettre à couvert. C'est complètement con. On se met à couvert à côté de cette espèce de chenille. Voilà. Et elle est indestructible. Et inoffensive. Et en fait, on pourra la diriger plus tard grâce à, voilà, à ça, par exemple. Regardez. Ces petits trucs-là. Normalement, il devrait y aller dessus. Voilà. Ça raffole de ces petits bonbons rouges là. Et voilà, il va y aller, il va le bouffer. Ce qui nous permettra, voilà, par la suite en fait de nous couvrir des balles, des véritables locustes. Voilà. Bon, est-ce que je continue ce niveau? Combien de temps on est rendu? Presque 20 minutes. J'hésite un petit peu. On va continuer un petit peu, tiens, on est bien comme ça. Donc sinon, pour les nouveautés, oui, donc j'en étais aux armes lourdes, donc Gatling et mortier, carrément un mortier qu'on pourra diriger selon la distance. Tout ça, c'est des petites nouveautés. Et au niveau du gameplay, donc je vous l'ai dit, les morts qui ne sont plus forcément mortels. Voilà notre petit copain. Les morts qui sont plus forcément mortels. Donc vous avez vu, quand on meurt, il faut réussir en fait à ramper vers l'un de nos coéquipiers. Et si un de nos coéquipiers réussit à nous toucher, on est sauvé. Sinon, non. Sachant que si
un locuste, comment on dit, nous fait une fatalité avant, on meurra direct. Et parfois, on meurt aussi directement. Hein. Mais généralement, c'est quand même un jeu qui est plus facile que le premier Gears. Parce que le premier Gears, on mourait direct. Là, on a quand même, on va dire, une espèce de seconde chance. Bon, j'ai pas trouvé ça, je vais vous dire, pas forcément une bonne idée, parce que ça rend le jeu plus facile tout de même. Honnêtement, je l'ai fait en normal, le jeu. Et bon, peut-être dans les deux derniers actes, j'ai eu quelques petites difficultés à quelques rares occasions. Mais honnêtement, dans les trois premiers actes, c'est limite une promenade de santé, quoi, le jeu. Non, vraiment. Je vais me servir du lance-grenade que j'ai chopé au boomer. Nickel, je crois que je l'ai eu. Ça marche bien, ces conneries. Généralement, à cet endroit-là du jeu, j'avais un sniper. Mais le problème, c'est que quand on recommence une sauvegarde... quand on reprend un point de sauvegarde plus ancien, ça n'a pas sauvegardé les armes qu'on avait dans notre première partie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on recommencera toujours avec le shotgun et la mitraillette et le fusil Lanzor, toujours. Ça sera toujours comme ça. Même si on avait par exemple le fusil sniper ou le lance-grenade ou le lance-flamme à la place du shotgun, non, on recommencera toujours avec le shotgun. Voilà le truc. Et c'était pareil dans le premier, il me semble. Là, j'arrive. Putain, je joue comme une bille! Là, il y a Tom qui est en train de bien faire le ménage, là. Il a tronçonné l'autre, je pense. Oh putain. Où est-ce qu'il est, Tom? Mais qu'est-ce qu'il fout, là? Alors, regardez, il est là-bas, derrière. Et regardez ce qu'il fait. Au lieu de tuer le mec à la gatling, regardez, il est en haut, il est en train de monter. Il est tout là-haut. Au lieu d'avoir ça, c'est l'IA. Au lieu d'avoir tué le mec qui est en train de nous sulfater la gueule, il a préféré monter aux escaliers et maintenant il nous attend. Et je peux vous garantir qu'il ne va rien faire. À part tuer les ennemis qui sont en haut, mais il ne va pas tuer le mec à la sulfateuse. Alors qu'il est de dos et qu'il pourrait le tuer en 2 secondes. Voilà, donc c'est l'IA qui n'a pas du tout évolué par rapport à Gears 1. Elle était déjà assez limitée. Et voilà. Quelqu'un l'a tué avant que je lui balance une grenade. J'ai pas vu qui c'était, tiens. Mais je crois pas que c'était Dom. Regardez, il est en haut, on le voit même plus. Il est parti. Il est parti de l'autre côté. Si ça se trouve, ça, c'est on va prendre des munitions. À tous les coups, là-bas, c'est logique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je vous ai à peu près tout dit, je crois, au niveau des nouveautés. Non. Après, vous savez tout, encore une fois. Moi, je vous renvoie à ma vidéo de Gears 1. Si vous voulez en apprendre plus sur ce genre de jeu. Moi, j'ai adhéré complètement. Voilà, je me suis éclaté. Parce que le jeu a un rythme d'enfer. Encore une fois, les environnements, ça se renouvelle tout le temps, c'est toujours extraordinairement beau. Non seulement la technique n'est jamais prise en défaut, mais en plus, le jeu est d'une fluidité absolument hallucinante. Je sais pas comment, mais on n'a pas un seul ralentissement et c'est vraiment fluide. C'est pas comme un GTA 4 où le jeu, il est beau, d'accord, il est immense, d'accord, mais putain de merde. La première fois que je l'ai fait sur la PS3... Le premier truc qui m'a choqué et que j'avais lu dans aucun test de la presse écrite, c'était son putain de framerate, quoi. Le truc, il allait à, je sais pas, mais pas 30 FPS, c'est sûr, ça devait être du 20 FPS. En fait, ça ramait, quoi. Sur la PS3, le truc, ça ramait. Alors, peut-être que depuis, ils ont mis un patch pour faire en sorte que ça ne rame plus, mais à l'époque de la sortie du jeu, sur la PS3, ça ramait, quoi. Et moi, je détestais ça. C'était pas injouable, d'accord, mais putain, sérieux, quoi. C'était chiant. Avoir un framerate à 20 FPS dans un jeu comme ça, je pense que c'était insupportable. Et là, putain, ça n'a jamais pris en défaut, quoi, le jeu. Gagne en intensité, Delta. Vous avez repéré quelque chose? Toujours rien, mais on vous tient au jus. Delta, terminé. Toujours le vert qui revient. Bon, là, j'hésite à continuer là ou à vous montrer un puits de larves. On va leur envoyer une grenade. Putain, quel con. Elle a ricoché contre le truc. Ah, là, je joue vraiment comme une bille, mais vraiment comme une bille. C'est difficile, j'ai du mal à bien jouer tout en commentant à ce genre de jeu. Et ou alors si, il faudrait que je commente, mais tout en disant de la merde. Ce que je pourrais faire, hein. Et là, je jouerai correctement. Je vais vous montrer. Voilà, maintenant, je vais commenter en disant de la merde. Oh, nickel, voilà. Regardez-lui, là. Regardez-le, cet enfoiré. Putain, mais non! Mais c'est pas possible! Putain, je voulais prendre comme bouclier! Non, je suis dans la merde! Je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde! Je suis dans la merde!
mais je suis vraiment dans la merde là! Ah, ça y est, j'en fais pour vous montrer ça, espèce d'enfoiré, t'es foutu! Putain, laissez-moi avancer! Voilà, j'appuie sur A et regardez ce qui se passe. Je l'ai pris comme bouclier. Malheureusement, la séquence est finie! Voilà, la séquence est finie. Donc ça servait à rien du tout que je le garde. Mais bref, voilà, on pouvait tirer avec le flingue comme ça, tout en se servant du locuste comme bouclier. Voilà. Je voulais au moins vous le montrer une fois dans la vidéo. Eh bien, c'est fait. Et, il faut absolument aussi que je vous montre les fatalités. Parce que franchement, l'éclatement de crâne avec les bottes de Marcus, c'est grandiose. Ou alors quand il le frappe, quand il lui donne des pêches, quand il est à terre. Ça aussi, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, je me rends compte en plus que c'est pas un décor vraiment super beau. C'est assez... texture assez simpliste et tout. Donc bon, c'est pas forcément le meilleur niveau là à vous montrer. Mais bon, comme ça au moins vous aurez la surprise. Voilà. Parce que honnêtement, si vous avez une 360 et que vous avez pas fait ce jeu, mais qu'est-ce que vous enlevez quoi. Là, franchement, je veux pas être vulgaire. Mais là honnêtement, ah nickel, c'est le sniper je crois. Non, ah nickel, voilà. D'abord, je vais utiliser toutes mes balles de lance-grenade en espérant peut-être le toucher. Et ensuite, je prendrai le sniper. Oh putain, nickel! Là, je crois que là, je suis à la bonne distance. Oh putain, oui, ça c'est encore un petit peu plus haut peut-être. Oh nickel, je crois que je les ai eu. Maintenant, je prends le sniper. On va échanger. Hop là. Ça c'est quoi ça? Ah nickel, des munitions pour le sniper. Voilà, nickel, 22 balles. Donc le sniper, c'est comme le premier. Voilà, très simplement. On vise en appuyant sur le stick droit. Donc, qu'est-ce qu'il en restait là? Non, voilà, nickel. Je les ai tous eu grâce au nickel. Encore des balles. On peut pas avoir plus de 24 balles pour le sniper. Et 550 pour le Lanzor, il me semble. Allez, là, on va tracer. Allez, on est des fous. On y va à fond là. Allez, 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 allez. Ah, peut-être que là, on va avoir un choix à faire. Tiens, voyons. Est-ce qu'il va nous demander? Ah non, il nous demande pas là. Tiens. Alors, comme dans le premier, on a souvent des embranchements, hein, et ça nous demande si on veut prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche. Alors là, je pensais qu'il allait nous le demander, mais non. C'est un embranchement, c'était une intersection, mais il nous demande pas... Enfin, on n'a pas le choix. Enfin, si, on a le choix, mais il nous demande pas, c'est étrange. Généralement, ça nous demande toujours, quoi. Eh bien, là, ça ne l'a pas fait. Bon, j'hésite à continuer, là, mais bon, je sais pas trop quoi vous montrer, puis j'ai pas trop envie de vous spoiler, quoi. Je pourrais vous montrer plein de... Je pourrais vous montrer des trucs, mais ça va vous spoiler. Franchement, ça serait vous gâcher le plaisir quoi, que de spoiler ce jeu, vraiment. Hein. Marcus, vise en bas. Vraiment, hein. Ah nickel, une petite séquence de sniper là. Là, il faut réussir à bien recharger au bon moment avec le rechargement éclair. Putain, mais quel boulet! Voilà. Et 3! Et 4! Et 4, ah, peut-être que je pourrais faire un 5 là. Ouh. Et 5, bande d'enculé! Ah, ça, je l'avais pas eu! C'est énorme ça! Et 5, bande d'enculé! Ça, je l'avais pas eu parce que je me rappelle, j'étais arrivé à 4. Voilà, j'avais pas dépassé le 4. Trop fort! Alors, quand on dit 5, il dit et de 5, bande d'enculé! Énorme! Eh bien, la prochaine fois que je referai ce niveau-là, je tenterai d'en avoir 6. Peut-être qu'il y a autre chose, hein. Trop fort. Oui, et voilà, c'est le genre de dialogue nanardesque à fond, mais que j'adore. J'adore. Je trouve que Marcus Fenix a un charisme fou. Vous voyez, c'est... Pourtant, c'est con à dire parce que je trouve vraiment que... Bon, tous les personnages sont corrects, mais surtout Marcus Fenix. D'abord, il a un doublage français vraiment de bonne qualité. Les autres sont corrects, mais sans plus. Mais le doubleur, en particulier, de Marcus Fenix... Putain. En particulier de Marcus Fenix est vraiment, vraiment, vraiment bon. Il me fait rappeler un acteur, un doublage d'un acteur américain, mais je ne saurais plus vous dire lequel. Mais bref, il a une voix, le doubleur français a une voix fantastique. Il a réussi... à donner vie, si vous voulez, à Marcus, voyez, le doubleur français. Et ça c'est énorme, c'est une chose qui est extrêmement rare dans les doublages français. Et moi, je trouve que pour Marcus, ils ont réussi. Autant les autres, ils sont assez classiques, Dom et le reste, mais Marcus, vraiment, ils l'ont pas raté. Putain, il a une voix de fou. Et donc voilà, il a un charisme. Bon, là, je commence à l'avoir marre, là. On va voir, c'est une grenade.
De ce fait, il a un cardio de ouf. Et pourtant, il n'est pas du tout exploité, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au niveau de l'histoire, on apprend absolument rien du tout, quoi. Putain, là, je joue mal. Attendez. Je vais aller là-bas. Oh putain, pas une bonne idée. On va se planquer derrière cette espèce de camion, là. Petit rechargement éclair. Nickel, j'ai réussi. Donc, le rechargement éclair, c'est comme dans le 1. Quand on réussit à le faire pile poil en haut, quand on est dans la... Il a encore envie, ah, nickel, je vais le prendre, tiens. Je vais me servir, toi. Regardez, il ne m'a pas vu, vous voyez, il ne m'avait pas vu, là. Ça arrive. Alors, est-ce que c'est fini, là? Je pense que c'est fini. Il n'y a plus personne. Ah, quoique, oh putain. Je crois que ça, c'est les rivers. Oh putain, là, j'ai bien évité la grenade. Alors, je crois pas que j'ai réussi à le tuer avec mon pauvre flingue, mais au moins, je suis un petit peu protégé. Le temps que le locuste est avec moi. Parce que là, l'autre, il est con. Regardez-moi ça. Regardez. Là, c'est le river, donc il est en train de shooter contre la muraille, contre le pilier. Et donc, forcément, il ne peut pas m'avoir. Et je suis sûr que là, il ne bougera pas. Si je reste là, il se passera rien. Et à tous les coups, si j'ai mes potes, qu'est-ce qu'il fait, lui? Attendez, il fait quoi, lui? C'est Dom ou quoi? Je vois rien. Et à tous les coups, si... Ah, mais si, ça, il a bougé, quand même. Il a enfin compris qu'il y avait un pilier. Bon, écoutez, voilà. On a réussi à le tuer, voyez, sans rien faire. Bon, il y a des titres comme ça, on va le tuer, comme ça, on va lui mettre, voilà. On lui brise la nuque, on l'a fini. Il y a des titres comme ça, déficience de l'IA, mais on s'en fout, je veux dire, c'est pas un jeu où l'IA est importante, quoi. Et Locust arrive quand même à se planquer, donc c'est le principal. Le reste, franchement, on s'en fout. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a des séquences vraiment d'anthologie dans ce jeu. Et là, encore une fois, je n'en dirai pas plus. Peut-être qu'à la fin de la vidéo... Oh putain, j'avais oublié ça. Attendez, il y en a qui arrive là. C'est de faire ce boomer là. C'est les plus coriaces généralement. Oh putain. Donc là, savoir que je suis en mode normal. Peut-être que pour la fin de la vidéo, j'essaierai un petit coup du mode démon. Putain. Oh, ils sont tous morts. Peut-être qu'on tentera le mode démon, hein. Donc le mode difficulté maxi qui se débloque. Mais ça, je vous l'ai dit, je crois, dans le direct live, hein, qui se débloque une fois qu'on finit le jeu une première fois. Ouais, donc beaucoup de séquences vraiment, mais cultissimes, épiques. Non, mais c'est le mot, quoi. Le jeu a été développé par Epic Games et ils nous ont fait des séquences épiques. Oh, 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 oh. Mais franchement, c'est vrai. Sinon, bêta, je vous ai même pas donné les infos de base, je crois. Donc, qu'est-ce que... Attends, ça c'est bon. Donc, les infos de base, eh bien, il est sorti fin 2008, soit 2 ans après le premier volet. Évidemment, il était extrêmement attendu, bien sûr. Il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'une des exclusivités Xbox 360 les plus vendues à ce jour. Ouais, on va aller par là. Ouais, franchement, c'est magnifique, quoi. Et tous les décors du jeu sont tous aussi grandioses les uns que les autres. Allez, on va tenter de speeder un petit coup. J'ai plus du tout ce qu'il y a en bas. Ah putain, là on est bloqué. Vous voyez, ça par contre c'est comme le 1. On ne peut pas sauter par exemple. Donc voilà, dès qu'on a comme ça une petite crevasse, un petit trou, on pourrait éventuellement sauter dans un jeu de plateforme. Même si là c'est pas du tout un jeu de plateforme, mais là on peut pas. On est obligé de passer à côté. C'est-à-dire c'est toujours très rigide le maniement. Et voilà, il n'y a aucune véritable nouveauté à ce niveau-là. Le maniement, c'est vraiment... on peut pas sauter, on peut pas s'accroupir, sauf quand on est en mode course, on peut pas se mettre à plat ventre. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça c'est... Voilà. Et le jeu en lui-même, encore une fois, c'est toujours aussi linéaire, des couloirs, même si les environnements sont immenses. Regardez-moi ça là-bas, je suis sûr que je peux carrément zoomer. Delta, on est attaqué par des mortiers. Voilà, je peux carrément zoomer là-bas et on voit vraiment les Gears, nos potes, contre les locustes, quoi. Alors qu'on est, regardez à la distance où on est, quoi. Franchement, on est extrêmement loin. Franchement, c'est impressionnant, voilà. Et encore une fois, ce passage-là, c'est très 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 loin d'être le plus impressionnant du jeu. Mais très 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 loin. Pour moi, Gears 2, c'est vraiment l'un des plus beaux jeux que j'ai pu voir de toute ma vie, quoi. Mais réellement. Franchement, c'est une baffe, ce jeu-là. Et ils vont se le faire, regardez, je touche pas. Voilà, et l'autre là-bas, je vais me le faire avant eux, tiens.
Mais quel con! Putain, je l'ai raté, mais je suis trop une buse! Voilà, et Dom l'a tronçonné, lui aussi, ils vont le finir. Il l'a tronçonné aussi, le Dom. Voilà. Et l'autre, il l'a tronçonné, vous avez vu? C'est ce que vous avez dit dans le premier. Il l'a tronçonné, mais vu le bonhomme, le locust était déjà mort. Mais le script du tronçonnage s'était déjà enclenché. Et en fait, il a tronçonné dans le vide. Ça, c'est trop fort, ça. Allez, là, on va les aider un petit peu. Donc là, ils sont... Je crois qu'ils sont là. Ouais. On va se les faire. Voilà. Au suivant... Ah oui, ça, ah, c'est vrai que les armes s'enrayent. Enfin, les armes chauffent plutôt, surchauffent. Alors en appuyant sur je sais pas quel bouton ça, sur RB, hop là, on les fait se refroidir un petit peu plus vite. Donc là, ah voilà, ça y est, en haut il y a les rivers qui arrivent. Ils vont sûrement se poser. Il faudra réussir. Ah putain, attendez, je sais pas si je peux les tuer là. Je sais pas. Bon, pour l'instant je vais juste continuer à faire ça. Ah si, voilà, ça y est. Je devais être obligé de faire ça. Je sais plus du tout là. Ah mais voilà, tiens. Regardez, ça c'est quoi? Le mortier, je crois. Ah oui, voilà, voilà une des nouvelles armes, donc le mortier. Je laisse appuyer, regardez, hop, par exemple ici, à 138 mètres, et ça va envoyer, voilà, des obus enflammés sur le champ de bataille. J'ai fait un petit peu plus loin, à 150, c'est le maximum. Voilà, j'ai envoyé le mortier, hop là, voilà, c'est l'une des nouvelles armes du jeu. Avec, c'est l'une des nouvelles armes lourdes, en tout cas, du jeu avec la Gatling. Ah oui, le fameux vert. Ah là c'est un gros spoiler. Mais non, je crois que c'est pas encore là. C'est un verre énorme en fait. Parce qu'en fait l'histoire c'est Jacinto, qui est la dernière capitale humaine. Mais faut réussir. Enfin, au début du jeu, on croit qu'il va falloir réussir, que le but c'est de la protéger. Puis en fait au fur et à mesure on va se rendre compte qu'il va falloir faire autre chose, que pour sauver l'humanité, il va falloir faire autre chose. D'ailleurs ça me permet de vous parler des boss un petit peu. Alors, j'ai été déçu, je dois dire. Voilà. Dans le premier, j'avais été extrêmement déçu par les boss du jeu. Là j'étais moins déçu, mais tout de même un petit peu déçu. Non pas par les boss eux-mêmes, parce qu'ils sont énormes, ils sont mais monumentaux, gigantesques, et ils ont tous des idées de fou. Mais par contre, mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont faciles, quoi. On dirait des boss de Mario ou Zelda. Est-ce que je veux dire, c'est... Ils sont bien fichus, mais qu'est-ce qu'ils sont simples. C'est presque impossible de mourir, quoi. Par exemple, on a un boss... Regardez-moi ce décor, là, encore. Décor qui change complètement. Oh, on a un boss, par exemple quand on est sur un lac, une espèce de poisson géant, la façon de le tuer c'est génial, c'est absolument génial. Mais qu'est-ce que c'est simple, on ne peut pas mourir, vous voyez, on ne peut pas mourir. Et la plupart des boss c'est ça, on ne peut pas mourir. Et que dire du boss final, là alors qui est une déception totale. Alors là le boss final, là, franchement, quoi, c'est même pas un boss en fait, vous voyez. Le boss final n'est même pas un boss tellement qu'il est simple à abattre. Voilà, là j'ai vraiment été déçu, vous voyez. Autant le dernier boss du premier Gears, il était... J'ai envie de dire, il était naze et chiant, vous voyez. Non seulement il était pas intéressant, mais en plus il était chiant à tuer. Mais là, c'est pas qu'il est pas intéressant, parce qu'il est gros et tout, il est même énorme. Mais c'est la façon dont on le tue, c'est... ça aurait pu être bien mieux que ça, quoi. La fin du jeu, c'est... Et puis bon, honnêtement, je peux pas vous spoiler, mais... Ce qui se passe à la fin du jeu, c'est incroyable, quoi. Les 5 dernières minutes, en gros, c'est « Oh non, on est perdu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, mais regardez ce qui se passe, là. Il est en train de gonfler. Bon, je vous dis que ça... Oh, putain, non ! Putain, je l'avais pas vu, cet enfoiré, là. Il est venu exploser juste à côté de moi. Oh, putain, non, mais quel con ! Non ! C'est pas possible, attendez. Là, je vais essayer de ramper vite vers mes collègues. Et là, si j'ai du bol... Mais putain, qu'est-ce qu'il fout, l'autre ? Viens m'aider ! Donc là, il reste plus que quelques secondes. S'il vient pas vers moi, c'est bon, il y a Dom qui est venu. Là, il me restait plus que quelques secondes. Si je restais encore dans cette position-là, affalé sur le sol, encore quelques secondes, c'était foutu. J'étais véritablement mort cette fois-ci. Non, voilà. Je vous parle 2 secondes de ce que j'étais en train de vous parler. Oui, donc la fin du jeu. À la fin, voilà ce qui se passe. En gros, sans spoiler, mais franchement, ça m'a trop fait rire. Parce que c'est du grand n'importe nawak. En gros, c'est « Oh non, on est perdu, comment on va faire ?» Après, oh regardez, il gonfle. Bon, je vous en dis pas plus, mais c'est énorme. Allez, on l'explose. Et ça y est, on a réussi, on est content. Alors là, parce que dans le jeu, des trucs n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Putain, je me fais hit de partout. Parce que dans le jeu, des trucs n'importe quoi, il y en a beaucoup. Je commence à me gonfler à tous ces locustes. Mais alors, ce qui se passe à la fin du jeu,
C'est pire que tout. Putain, mais je visse comme une véritable truffe. Putain. Faut savoir... Je vais réussir à crever, hein. Faut savoir que... Putain. Mais putain, je fais n'importe quoi. Ok, d'accord, je comprends. En fait, je voulais le tronçonner, mais avec le fusil de sniper. Ouais. C'est sûr que j'allais pas aller bien loin. Hein. Putain, mais quel abruti, je vous jure. Voilà, ils sont tous morts et je n'ai servi à rien du tout. C'est mes collègues qui ont fait tout le boulot. C'est magnifique. En plus, là, j'ai super mal joué parce que normalement, ce qu'il aurait fallu faire, regardez ici, il y a un verre. Donc, en fait, j'aurais dû shooter ce truc-là. Voilà. Et donc, le verre, vu que c'est un gros gourmand, voilà, il se déplace et j'aurais pu me planquer derrière le verre. Vous avez vu qu'on n'était pas obligé puisque j'y suis arrivé sans cette technique. Mais c'est peut-être parce que je suis en niveau difficulté normal. Et qu'en vétéran et dément, je pense vraiment que ça serait une autre paire de manches, ça c'est certain. Voilà, j'ai complètement une fois de plus perdu le fil de ce dont je voulais vous parler. Ah, donc comme ça vous l'avez beaucoup vu dans le direct live. Hein. Mais en fait, il y en a très peu dans les niveaux qui suivent. C'est des espèces de notes à la Resident Evil. Honnêtement, ça sert pas à grand chose. Et surtout, on se pète les yeux à le lire. C'est écrit tellement petit. Faut vraiment qu'ils arrêtent, les développeurs, de faire une police aussi petite. On ne peut pas le lire. Je sais pas. Enfin, je sais pas vous. Pourtant, j'ai des yeux assez bons. Je veux dire, j'ai 10 sur 10 à chaque œil. Mais putain de merde! On peut pas le lire, quoi. C'est écrit tellement petit qu'on ne peut pas le lire. Donc, c'est des infos qui servent à rien. Je suis désolé. Moi, j'ai pas envie de me rapprocher de l'écran à chaque fois pour lire ça. Putain, faut vraiment qu'ils arrêtent d'inscrire des textes aussi petits. Moi, ça me gave. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me gave. Donc là, vous avez vu qu'on est dans un environnement complètement différent. Hein. L'architecture locuste, je pourrais vous montrer tous les environnements du jeu, tellement que c'est beautiful. Mais malheureusement, encore une fois, au niveau de la destruction du décor, pratiquement rien du tout. Voilà, pratiquement rien du tout, c'est vraiment dommage. Donc, de quoi je ne vous ai pas parlé. Ah, le multi. Donc, comme dans le premier, on peut faire toute la campagne à deux joueurs. Soit en local, soit sur internet. Donc ça, c'est excellentissime. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire un morceau de la campagne à deux joueurs. Ça marche super bien, sérieux. Autre chose, il y a également le mode... Oh non, d'abord, je voulais rajouter quelque chose au niveau de l'écran splitté. Ce qui m'hallucine, c'est que non seulement le jeu est l'un des plus beaux jeux, techniquement parlant, de la 360, mais en plus, il propose un écran splitté, c'est-à-dire un mode de joueur en écran splitté. Donc j'ai pas eu l'occasion d'y essayer. Mais franchement, si le jeu a la même qualité graphique et le même framerate à un joueur qu'à deux joueurs en écran splitté, mais alors là, je félicite les développeurs et vraiment j'ai envie de dire, la 360, elle en a vraiment sous le capot. Parce que là vraiment, je serais sur le cul. Si c'était le cas, je serais vraiment, vraiment sur le cul, quoi. Sérieux. Là, par exemple, une de ces fameuses intersections, on peut choisir. Bon, je vais prendre par exemple, j'en sais rien du tout, moi, allez, le chemin de gauche pour changer. Généralement, je prends toujours le chemin de droite. Et bien là, on va prendre à gauche. Et donc voilà, il y a Dom, je pense, voyons. Ouais, voilà, c'est ça. Dom, il passe par le bas, et moi, par le haut. Donc je vais probablement devoir l'aider, ou alors lui, il va devoir m'aider. C'est souvent comme ça, voilà, on le voit retirer sur les fruits luisants pour attirer le verre de... Ah oui, je m'en rappelle de ça, voilà. Oui, je m'en rappelle, sauf que quand je l'avais fait la dernière fois, j'étais passé par le bas. Et en bas, en fait, il y a des ennemis. Toujours en appuyant donc sur RB, on voit où sont placés nos collègues, grâce aux petites bulles, et on voit les objectifs. Donc là, tirer sur les fruits luisants, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc en fait, ça va attirer la chenille. Qui va permettre à Dom et à Carmine, voilà, à Carmine, d'y aller. Alors, parfois, il y a quelques séquences émotions dans le jeu. Il y a les personnages qui vont mourir. Mais franchement, moi, ça m'a fait rire. Je suis désolé. À aucun moment, j'ai versé une larme. Ça m'a plus fait rigoler qu'autre chose. On les voit, là. Oh non, non, il est mort, c'est pas possible. Et juste après, on va tous les éclater, ces enfoirés. Moi, mais je suis désolé, ça me fait délirer, quoi. Sérieux, ça me fait délirer, ça. Bon. Ils vont y arriver là, attendez. Oh, ils sont là. Je vais activer le levier là. Je sais pas trop ce que ça va faire. Non, je peux pas l'activer. Alors bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, peut-être un autre là-haut. Ouais. Peut-être tirer sur ce dernier. Ah ben voilà, c'était ça, voyez en haut. Tirer sur les fruits. Oh putain! Oh non! J'attendais pas à ça!
On va tronçonner. Oh putain, il y en a d'autres. Oh putain, il y a toute une armada de rebuts là. On va les tronçonner un par un. Un par un, le tronçonnage. Tu vas y avoir droit toi aussi. Ah putain, il faut absolument que je vous montre les finishes. Ça c'est obligé. Les finishes, des espèces de fatalité des locustes quand ils sont à terre, parce que franchement c'est énorme. Faudrait quand même pas que je crève là. Il est à moitié bloqué lui. Je sais pas ce qu'il fout là-bas. Bon, ça y est là. Donc là, il y a Jack le robot. Donc en fait, pour Jack, je crois que j'ai compris. En fait, il n'y a personne qui le dirige. D'après ce que j'ai compris, c'est une IA en fait. C'est une IA robotisée. Voilà, je crois qu'en fait, elle est autonome en fait. Voilà. Et donc, ça sert à ouvrir les portes. Mais dans le premier, je croyais que c'était quelqu'un qui l'a dirigé. Mais en fait, non. Je crois que c'est une IA robotisée. Il me semble. Peut-être que maintenant, je peux ouvrir le. Actionner le levier plutôt. Voilà, nickel. Mais écoutez, vous savez quoi? Je crois qu'on va continuer comme ça. Comme ça, moi, je ne vous aurai absolument rien spoilé. Oh putain. Je ne vous aurai absolument rien spoilé. Ah, mais t'es, ici, j'avais eu un bug. La dernière fois. C'est-à-dire que Carmine était arrivé de l'autre côté, là-bas. Et en fait, il ne bougeait plus. Voilà. Alors que, comme tout à l'heure avec... Donc, regardez, je crois qu'il arrive, là. Voilà, attendez, on va peut-être pouvoir zoomer. Ah non, là il le tue. Là il le tue. Là ils l'ont tué. Voyons. Ouais. Il a tronçonné par le bas, Carmine. Mais lors de ma première partie, Carmine il était là, et Tom aussi, et il ne bougeait pas. Les deux restaient plantés là, alors que le locuste ici, avec sa sulfateuse, continuait à me tirer dessus. Donc parfois il y a vraiment des petits problèmes au niveau de l'IA. Ça n'a pas été complètement géré par rapport au premier. Donc là je me rappelle, voilà, c'est en bas. On va tenter de se les faire d'ici. Donc évidemment les impacts des balles, putain je joue vraiment comme une quiche. Les impacts des balles sont pris en compte, hein. C'est-à-dire quand on tire dans la tête, généralement il crève d'un seul coup. Regardez, je vais essayer de bien viser. Lui là quand il va se relever. Voilà, vous avez vu, je lui ai arraché sa tête. Et d'ailleurs j'ai gagné une espèce de semi-succès en bas. Donc ça c'est excellent aussi. Putain, mais c'est pas possible. Oh putain, j'avais pas vu lui. Le petit kamikaze là. Oulala, faire gaffe là. Donc les musiques, là vous pouvez entendre un nouvel ennemi, les espèces de prêtres là. Là vous pouvez entendre une belle musique là, tiens, un beau thème, donc je vous laisse apprécier. Putain, je joue vraiment comme une fiche. C'est pas possible d'être aussi con! Pas trop tôt. Sauf qu'ils doivent pas être morts parce qu'ils sont quand même super résistants. Attendez. Il est pas mort l'autre. Regardez, je vais lui faire un finish. Regardez. Éclatement du crâne. Et Carmine en a tué un autre. Ah putain, attends, là c'est bon, il y en a d'autres qui arrivent. Je vais absolument vous montrer l'autre fatalité, sauf que là je joue comme une véritable bille, donc sinon j'allais me planquer. Oh putain le con. Et voilà le con. Oh putain, l'autre il va sûrement me finir. Non c'est bon. Oh putain, j'ai pas eu de chance. Oh putain, là j'ai eu de la chance. Non, pas de chance. Si, j'ai eu de la chance. Oh putain, quel bol de cocu. Mais putain, j'ai un bol de cocu dans l'autre aussi. C'est énorme. Vas-y Carmine. Carmine, ramène-moi. Mais putain, c'est énorme ce qui se passe là. Carmine, vite, touche-moi enculé. Oh putain, ce bol. Oh putain, ce bol que je viens d'avoir. Tant pis pour le finish move, ça va pas la prochaine fois. Est-ce que je peux diriger ce truc là? Oh putain, ça va chier là. Et qu'est-ce qu'il attend pour se diriger ce truc là? Il va à deux à l'heure. Putain, c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début. Bon, c'est bon, ils sont tous morts. Oh, et là j'ai eu un bol, mais un truc énorme quoi. Parce que j'étais à terre, il me ranime. Je me fais shooter par une grenade, je suis à terre, il me ranime.
L'autre locuste est à terre aussi. Truc de fou là, franchement. Truc de fou ce qui s'est passé. Sérieux. Allez, je vous laisse la cutscene, tiens. Bon, lui, je peux vous le dire, c'est un petit peu le nouveau méchant du jeu. Il remplace le général Ram du premier. J'adore les dialogues, c'est vrai, je sais pas. Je suis peut-être le seul, mais j'adore cette espèce de second degré constant, vous voyez, qu'il y a dans la narration. Attends, vous avez vu, en fait, le gros ennemi du jeu, vous l'avez vu, c'est cette espèce de ver géant. Là, en fait, il a englouti une vie et maintenant on se retrouve dans un décor. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, là, au derrière, je crois que c'est... Il va y avoir un petit script là-bas, je crois que ça va s'effondrer si je continue à avancer un peu. CFR 5-4, ils m'ont touché. FR5 s'est craché dans le gouffre d'Ilima. On s'y rend, terminé. Bien reçu, Delta. Ilima a été évacué. Mais vérifiez s'il reste des parias en vie, au cas où. Bien sûr. Et encore, même ce décor-là, franchement, mais c'est loin d'être le plus beau. Regardez-moi ça. Voilà, même ce décor-là, je peux vous assurer, mais vraiment, 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 c'est très, 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 très loin. Peut-être moi, je vais vous dire, le décor que j'ai trouvé le plus beau, c'est dans l'acte 4. Voilà, c'est l'acte 4. C'est toute l'architecture que l'on voit, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ah, t'es, voilà une nouvelle sorte de locuste, tiens. Attends, mais bien regarder. C'est sur des espèces de bulldog géants, là. Regardez-le, lui, là, il s'en va. C'est des locustes, en fait, qui ont comme monture des espèces de chiens, de gros chiens féroces. C'est assez marrant. On va essayer de se le faire. Avec le sniper, tiens. Ah mais merde, il est avec nous, je suis con. Attention, tirez pas sur les civils. Derrière les barrières. Bon, est-ce qu'on change de niveau? Je sais pas. Enfin, je vais quand même me faire le bonhomme avec son gros kleps. Oh putain, mais je joue vraiment comme une quiche, sérieux quoi. Ça m'énerve de jouer comme ça. Putain, je jouais mieux quand j'ai fait le jeu pour la première fois. Oh putain. Putain mais non. C'est pas vrai. Bon, là j'ai pas le choix. Et là je peux rien faire. Tout ce que je peux faire c'est ramper vers mes collègues en espérant. Je peux seulement espérer. En espérant qu'il y en a un qui va venir vers moi. Sauf que là il y a personne. Je sais pas ce qui branle. Voilà. On peut appuyer de plus en plus fort sur A pour aller un petit peu plus vite. Là je vais mourir sûrement. Je vais mourir parce que personne ne vient m'aider. Et voilà, je suis mort. Bon, c'est magnifique, on va se quitter sur cette mort. Enfin, pour ce niveau-là. J'ai bien envie de vous en montrer d'autres, mais voilà que vous montrer, quoi. Retour au menu principal. Ouais, on continue comme ça. Que vous montrer, je sais pas. J'ai pas envie de vous spoiler, je sais pas trop. Ah, voilà, c'est pour le multi, donc. Je vous l'ai dit, il y a le multi classique de la campagne. Un nouveau mode, le mode Horde, que j'ai pu essayer. Si en fait, on est dans une espèce... Il y a 5 joueurs en ligne. On est dans des espèces d'arènes. Un petit peu à la Left 4 Dead. Et il va y avoir en fait plusieurs vagues de locustes qui vont arriver successivement. Il faudra tous les terrasser. Vague 1, vague 2, vague 3. Je suis arrivé, j'ai fait ce mode hier pour tout dire. On est arrivé à la vague 16. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de la vague 10, il y en a pas vraiment, ils sont pas vraiment plus nombreux à venir. Ils sont surtout plus résistants. Ça m'a un petit peu déçu. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le moteur du jeu ne permettait pas d'avoir énormément de locustes simultanément. Donc je crois que tous les 10... Ça, c'est seulement une hypothèse que je fais. Mais je pense que tous les 10 niveaux de vagues, en fait, c'est juste les locustes qui deviennent plus forts, mais ils sont pas forcément plus nombreux. Voilà. Mais c'est vraiment sympa quand même, parce qu'ils viennent de tous les côtés, bien sûr. Et donc, voilà, il faut réussir à bien se synchroniser avec nos collègues pour réussir à se les faire. Mais bon, je vais pas vous montrer ça.
ça prendrait trop de temps. Et puis les premières vagues sont assez chiantes parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Faut attendre au moins la 7e ou la 8e vague pour que ça commence à être intéressant. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Je sais pas. Donc voilà, Fer de Lance, souvenez-vous, c'est là, c'est ce que je vous ai montré dans le direct live. Là, quand on est à l'hôpital, le désespoir, c'est la suite. Ici, c'est quand on est, souvenez-vous, quand j'arrivais pas à toucher les espèces de boulets que nous envoyaient les locustes. La grande poussée, ben, c'est quand on est à bord des tanks géants, vous voyez. Donc voilà, là, vous avez, j'avais fait en fait les semi-chapitres. J'avais fait les chapitres 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4 du premier acte dans le direct live. Et après, il restait encore ça, garage routier, puis descente aux enfers pour finalement finir le premier acte. Ça vous donne un petit peu une durée de vie du jeu. Et tous les actes sont à peu près identiques. 1h30 à 2h pour finir un acte. Voilà. Mais je vais pas faire ça. Là, donc, je vous ai montré les autochtones. Donc là, j'ai fait des forges éparpillées, créatures indigènes, troublantes révélations. Et voilà. Et là, on est au début de Au fond de l'abîme. Vous voyez ? En fait, là, on a fait à peu près, un petit peu moins d'une heure de jeu, on a fait la moitié de l'acte 3 ou 2, c'est quel acte ça ? Non, la moitié de l'acte 2, voilà. Donc c'est bien ça, il faut à peu près 2 heures pour faire un acte entier. Bon, je sais pas trop quoi vous montrer, hein. Tempête imminente, ah ça j'ai pas trop aimé. Tempête imminente, ils ont essayé de faire une atmosphère à la Resident Evil en fait, durant le premier, voilà. Ça, un secret bien gardé, les origines, réveil brutal, ça m'a trop fait penser à Resident Evil et j'ai pas trop aimé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action, ça se joue surtout sur l'ambiance et sur l'atmosphère du moment. Bon, et moi, c'est pas ce que j'attendais, si vous voulez, de Gears of War 2, quoi. Moi, ce que j'attends, c'est du bourrinage, quoi. Vous voyez, c'est quand on est plein la vue, quoi. Voilà. Et donc, voilà, j'ai pas trop aimé. Si je veux jouer à ça, moi, je me rebranche Resident Evil, quoi. Voilà. Mais c'est magnifique, quand même, hein. C'est extrêmement beau et tout, c'est très bien foutu. Mais bon, c'est pas ce que j'attends. Avec une espèce de voix off qui nous parle, ça fait beaucoup penser, encore une fois, à un Resident Evil. Bon, ou à Bioshock, par exemple. Mais c'est pas ce que j'attendais dans Resident Evil. On a également des phases en véhicule, et je peux vous montrer quoi que ça c'est pourri quoi. Bon ça c'est pourri, je vais pas vous montrer ça. L'ascension, je crois que c'est une phase en véhicule, elle est assez moyenne. Il y en avait également une dans Gears of War 1 qui était encore une fois pas top parce que la maniabilité est pas super. Et encore une fois, moi c'est pas ce que j'attends d'un Gears of War, je m'en foutais un petit peu quoi. Et voilà, en O3, ça c'était magnifique aussi. Putain, ça c'est des niveaux, mais le paysage, c'est des cartes postales quoi. C'est une espèce de panorama qui se profile devant nous, mais. Que c'est beau, quoi. Je me suis pas encore fait Uncharted 2, mais je compte le faire. Et franchement, tout le monde dit que Uncharted 2 est le plus beau jeu jusqu'à présent sur console. Mais moi, je me demande, quoi. Parce que franchement, pour qu'il soit réellement plus beau que ce Gears of War 2, faut aller loin, quand même. Vraiment. Bon, attendez, parce que j'ai rien choisi. Oh non, mais quel con, j'ai appuyé sur A plutôt que X. On va attendre que le chargement se finisse. Bon, de quoi je vous ai pas parlé? Non, je vous ai à peu près tout dit. Je vous ai à peu près tout dit. Juste pour revenir quand même quelques secondes sur Marcus Fenix, donc que j'adore. Pourquoi je l'adore? Parce qu'il me fait beaucoup penser à Schwarzenegger. Voilà, il me fait beaucoup penser à ces films comme Commando, par exemple, ou à la plupart des films dont Schwarzenegger était le héros à la fin des années 80, début des années 90. Il y avait beaucoup de nanars américains comme ça, des films d'action, et ça me fait vraiment penser à ça. Marcus Fenix, il a un petit peu la même philosophie, il a la même pensée. Et c'est ça que j'ai adoré, parce que ça me rappelle vraiment ça. Moi, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. On est... Ah bah attendez, je vais tenter de tracer. Et à mon avis, je vais pas faire long feu. D'abord, on peut pas, parce que là, j'ai réussi à les passer. Je vais sûrement crever dans peu de temps. Oh putain, je faillis de partout. Oh putain, là, j'ai eu de la chance. Et voilà. Là, il m'a niqué, donc il s'en va. Ouais, c'est fini. Et on va partir de là. Bah, je vais vous montrer un autre niveau, quand même. On est déjà rendu à 1h. Je sais pas trop comment faire là. Campagne solo. Je vous montre un des derniers niveaux. Voilà, les conséquences. Voilà, c'est magnifique là, mais ça risquerait de spoiler un petit peu. T'as une équipe précaire. On a un beau panorama. T'es en dément, tiens, voilà. Équilibre précaire en dément. Je vais tenter de faire comme avec. Comme à la fin de ma vidéo sur le premier Gears où je m'étais mis en dément. Et je m'étais plutôt démerdé correctement. Hein. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Au niveau scénario, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tenté de faire une approche assez marrante avec Dom. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo direct live. Parce qu'en fait, en gros, il a perdu sa femme, sa copine. Et donc, en fait, tout le jeu, tu vois, une bonne partie du jeu va se baser sur ça. Tiens, regardez-moi ça, là-bas. Vous avez vu ça, franchement. C'est un truc de fou, quoi. Regardez-moi ça. Comment ne pas trouver ce jeu, mais magnifique, quoi.
Alors regardez, regardez. Ici, je passe là, vous voyez. Il voulait pas. Il fallait en fait que j'aille pile poil à cet endroit-là pour qu'il descende. Sinon, il voulait pas. Avec les grues. Regardez-moi ça, quoi. Ça, c'est la capitale. Jacinto. Magnifique. Tout simplement magnifique. Franchement. On va aller à l'ascenseur. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et non, je sais plus du tout de quoi je vous parlais. De toute façon, je vous ai dit, voilà, je vous ai dit ce qu'il fallait. Voilà, il faut juste diriger la grue vers Dom. Je vous ai dit de toute façon mon ressenti. Pour moi, c'est un jeu vraiment. Voilà, je me suis éclaté sur ce jeu. Et je pense d'ailleurs le refaire en mode démon. En normal, c'était quand même un petit peu simple. Un petit peu simple. Ou alors au moins en vétéran. Moi, je suis pas non plus un adepte des difficultés extrêmes. Mais là, en normal, honnêtement, j'ai presque trouvé le jeu plus facile en normal que le mode recrue dans Gears of War 1, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, je vous conseillerais presque quoi de commencer directement en vétéran. Au moins pour les trois premiers actes. Après, l'acte 4 et l'acte 5, bon, si vous n'êtes pas un joueur extrêmement bon, si vous voulez, ou si vous aimez pas forcément la difficulté, remettez-vous en normal. Mais franchement, pour les premiers actes, c'est une promenade de santé en normal. Alors j'imagine pas en recrue. En recrue, je pense que là, par contre, c'est du gâchis. Alors là, vraiment, ouais. Voilà. Pourtant, je fais pas partie de ceux qui disent souvent ça, mais là, honnêtement... Oh putain, oh, d'accord, des gens déments. Déjà, j'y prends le fusil à lunettes. Oh putain, on s'est bien shooté, là. Ok, là, quand même. Effectivement. Je pense qu'il faut plus... Ok, là, il a fait péter la grue. Putain, attendez, on n'a même pas le temps d'ajuster notre tir, là. Voilà. Une tête en moins. Putain. Ah si, je l'ai eu, je crois. Non. Ah, mais là, je vais tirer dans le ventre, donc il n'est pas mort direct. Voilà, là, c'est bon. On va se faire le dernier, là. Nickel, en plein dans la tête. Allez, je pense que là, c'est bon, je peux passer. On est en démon là, donc à mon avis, je vais pas faire long feu. Que c'est beau. Regardez-moi ça. Sérieux. Et je vous assure que tous les actes, dans tous les actes, on a au moins un panorama comme celui-là. Franchement, même quand on est sous la terre. Hein, on pourrait croire que quand on est dans les souterrains, on a seulement des trucs basiques avec des grottes et tout. Mais non. Même là, ils arrivent à se renouveler. Putain, c'est un truc de fou, ça. J'ai changé d'arme, là. Il est là, non? Où est-ce qu'il est passé, ce con? Je crois qu'il est là, mais il veut pas se relever. Bon. On y va avec le sniper, tant pis. Ah, il est mort? Ah bon, il était mort, ok. Allez, on y va comme ça. Oh putain, attendez. Alors là, si on joue bien, avec leur crochet, on peut réussir à les décrocher avant. Là, je vais jouer. Voilà. Si on joue bien, on peut réussir à les décrocher avant. Sauf que là, j'ai pas réussi. Alors, peut-être qu'on ne peut pas en mode dément. Si, voilà, ça, j'ai réussi. Ça, c'est assez excellent. Il s'accroche avec un grappin pour monter vers nous. Bon, là, évidemment, j'avance à tâtons. Hein. Oh putain, mais voilà. Voilà un de ces fameux ennemis qui a un bouclier et que l'on peut ramasser par la suite. Donc, je vous montrerai ça si j'arrive à le tuer. Je vais me servir d'une grenade. Non, bah attends, maintenant. Bon, à mon avis, lui, si nous touche. Heureusement, il est seulement fort au corps à corps. Et voilà. Oh putain, trop easy. J'attendais pas. Regardez le bouclier. Je le prends. Et voilà. Oh putain. Oh putain. Attendez, je vais garder le bouclier. Je sais pas si je peux. Alors, ah, ok, d'accord. Là, en fait, c'est le Weaver qui m'a envoyé une. Un de ses tirs principaux, c'est-à-dire son espèce de roquette, et il m'a explosé en un seul coup. Quand on est en normal, ça ne nous tue pas en un seul coup. Ça. Et pourtant, j'avais le bouclier, donc ça a explosé le bouclier en même temps. Bon, on recommence ou pas? Non, on ne va pas recommencer, on est déjà rendu à 1h05. Donc, retour au menu. J'ai envie de vous faire un spoiler. J'ai envie de vous faire un putain de spoiler de ouf, quoi. Bon, allez, je vais vous faire un spoiler. Bon, mais je vous préviens. Donc voilà, ça va spoiler, la vidéo est finie, donc je vais faire ma conclusion. Ma conclusion, c'est juste que ce jeu est une tuerie absolue, voilà. Et que tout possesseur de Xbox 360 se doivent de jouer à ce jeu. Ça a un rythme d'enfer, ce jeu, c'est de la folie furieuse, on s'éclate à 100%.
voilà, moi je reste sans voix devant un jeu comme ça. Ce jeu, ça me fait penser à du Donkey Kong Country, voyez. C'est-à-dire que Donkey Kong Country, c'est un jeu extrêmement beau et on s'amusait vraiment quand on y jouait et on ne demandait rien de plus. Gears of War, c'est pareil. Pourtant, ça n'a rien à voir, c'est une comparaison à deux balles que je suis en train de faire. Mais pour moi, c'est pareil, quoi. Et ceux qui, à l'époque, critiquaient Donkey Kong Country, ils le critiquaient parce qu'ils disaient que c'était un jeu commercial, ils le critiquaient parce qu'ils disaient que s'il n'était pas aussi beau, on n'en parlerait pas autant. Et je suis d'accord, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai envie de dire, si Gears of War 2 n'était pas aussi beau, si les environnements n'étaient pas aussi variés, honnêtement, je n'aurais pas été aussi enthousiaste. Mais là, voilà... La beauté des environnements, ça fait partie de Gears, je trouve. Ça fait partie de Gears, plus le gameplay simple, mais efficace à 200%. Ça a fait ses preuves dans le premier Gears. Ça a été un petit peu amélioré avec les nouvelles armes, avec les nouvelles possibilités de gameplay. Voilà, pour moi, c'est pas le perfect, parce que l'environnement n'est pas destructible, parce que le scénario, ils ont vraiment fait le minimum. Moi, ça me gêne pas plus que ça, mais je comprends que ça puisse en gêner certains. Parce que le jeu est quand même très linéaire, ensuite pratiquement toujours un couloir, on n'a pratiquement pas de choix. Évidemment, parce que les boss, même s'ils sont tous plus monstrueux, plus gigantesques les uns que les autres, ils sont extrêmement faciles à tuer. Parce que les passages en véhicule sont, on va dire, très 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 bien réalisés, notamment quand on est à dos d'un certain type de monstre. Je vais pas spoiler, mais c'est énorme, ça va à une vitesse de fou furieux. Pour tout vous dire, une des séquences finales dans le dernier acte, ça m'a fait penser au retour du Jedi, quand on est avec les, comment on dit déjà, les speeder bikes, je crois, quand on est à la forêt avec Luke et Leia et qu'on se fait les stormtroopers avec les speeder bikes, ça m'a trop fait penser à ça. C'est ça, en fait, il suffit de remplacer les montures que, en fait, je peux vous dire, ça spoil un petit peu, mais je peux vous dire, on est à dos de Reaver, voilà. Et on va trucider du Locust. Il suffit de remplacer le Reaver par les speeder bikes et on est dans Star Wars, quoi. Mais on est vraiment dans Star Wars. Le truc avec vraiment une vitesse de fou et tout, et extrêmement beau. C'est, voilà. Donc voilà, il y a des séquences, mais vraiment, mais pouloulou, cultissime. Mais d'anthologie dans ce génial. Dans chaque acte, il y en a bien deux ou trois. Ça, c'est génial, voilà. Après, il y a les petits trucs, bon. Évidemment, il y a des choses qui sont pas tip top, mais globalement, c'est un truc de fou. Bon, allez, donc c'est où? Non, c'est pas ici, on va revenir. Donc, on va là. Oui, je vais écraser. Donc, c'est les autochtones. Non, c'est pas là. C'est les autochtones. Et c'est l'utintestine. Attention, à partir de maintenant, c'est un spoil de fou, donc je vous le dis. Attention, spoil, quittez tout de suite cette vidéo. En fait, on va aller dans les entrailles du ver géant. Voilà, le ver que vous avez pu voir tout à l'heure, on va carrément aller à l'intérieur. Forcément, ça peut faire penser à Pinocchio, ça peut faire penser à DBZ, une partie de la fin de DBZ lors du combat contre Majin Buu, ouais, quand on est dedans. C'est énorme, et encore une fois, c'est d'une beauté à couper le souffle. Mais là, je vais pas commenter cette scène, je vous laisse juste apprécier. On va le mettre en vétéran. Bon, allez, en vétéran. En vétéran, et tant pis si je crève. Si je crève, je crèverai, tant pis pour moi. En démon, je veux dire, en démon, tant pis pour moi. Et voilà, je vous laisse avec cette scène-là. Et quant à moi, je vous dis bye bye, à la prochaine. Et franchement, Gears of War 2, mais putain, si vous avez une 360, c'est un incontournable. Vraiment, c'est un incontournable, ce jeu-là. Truc de psychopathe. Allez, je vous dis bye bye, et à la prochaine. Dom. Dom, t'es réveillé? Je t'ai apporté ton petit-déj. Les enfants sont chez ma mère, alors on a toute la journée pour nous. Dom? T'es réveillé? Dom! 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 Dom, réveille-toi! Hein? Quoi? Dom, ça va? Marcus, dis-moi qu'on n'est pas là où je pense. Désolé, Dom. On y est. Oh, c'est foutrement génial! On est dans un putain de ver géant! Et maintenant, c'est quoi le plan à part se faire bouffer? Allez, on va lui tailler le cul pour sortir! Non, faut d'abord le tuer. Ensuite, on découpe.
quoi? C'est lui qui engloutit les villes. C'est notre seule chance de l'arrêter. Ah ouais? Et comment on est censé faire ça? On va lui défoncer le cœur. Allez, on se bouge. Oh putain, c'est quoi cette merde? C'est vraiment dégueu ici! Où est-ce qu'on est? C'est de mieux en mieux. Bon, suivez-moi près. Traînez pas à l'arrière. C'est le cœur? Non, il n'y a pas d'artère ni de veine. C'est forcément autre chose. Oui, mais quoi? Il y a un truc là, droit devant! Comment veux-tu que je sache ce qu'il faut flinguer? T'as vu cette merde? Voilà pourquoi! Courez! –
quoi que ça dévore ce truc ? Concentrez tous vos tirs sur l'ouverture ! Faites gaffe! Rien à carrer! Découpez-moi cette chaleur!